je vous parlais là que je sais pas. Je vais quand même la tourner et je sais pas. Parce que j'ai envie quand même de la tourner cette série et puis je sais pas parce que c'est quand même assez cru comme jeu quoi donc. C'est pas le genre de jeu que je fais habituellement sur ma chaîne alors. Ok, allez, du fer. De l'or. Tu rends pote en charbon. Puis bah, c'est tout ce qu'il y a à cuire. Allez. Alors, de quoi j'aurais besoin en potion? J'ai ce qu'il faut en healing et en résistance au feu. Qu'est-ce que je pourrais me faire? Dommage qu'on puisse pas se faire de potion. Ah, excusez-moi, j'ai entendu le téléphone sonner, mais on s'en fout un petit peu. Comment? Dommage qu'on n'ait pas de potion de hâte, vous savez, de meaning. Ça pourrait être sympa pour miner plus vite. Mais voilà quoi, il faut obligatoirement avoir le beacon pour ça. Écoutez, moi je vais m'arrêter là. Je suis un peu fatigué. Puis en plus, il faut encore que je travaille tout à l'heure. Donc, eh ouais, enfin voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, qu'est-ce que je réfléchis? Il y aurait la potion de force à se faire. On peut se la faire. Mais, elle tire pas plus que ça. La speed, on en a en effet. Il nous en reste une en speed. On va se refaire une fournée de speed quand même. On va se faire ça, une fournée de speed. Au cas où. Parce que là, il m'en reste plus qu'une. Et puis, vu qu'on va les utiliser deux par deux. Glow. Et. Voilà. C'est pas mal. Il y a de quoi facilement se refaire au moins 4 enclumes, 3 ou 4 enclumes, mais bon, du stuff. On pourrait se refaire du stuff en fer. On va se faire ça, allez, on va se faire ça. Tous ces décompactés, on verra plus tard après. Bah oui, en fait, il me fallait que 24 de fer. Donc ça, déjà, on va le recompacter. Hop. Et puis ça, on va recompacter la moitié.
Ok. Allons-y alors. Le plastron. Hein. Le plastron, ensuite les jambes. Attendez, parce que c'est pas vivable ça. Les jambes. Le casque. Et les bottes. Ok, 25 niveaux. Du protection 1 partout. Ce qui va me faire du protection 1 partout. Et les bottes. Oh non! Bon bah tant pis. Hey, 11 blocs et 11 lingots. Faut quand même le faire pour avoir des nombres aussi justes. Ils sont passés où, mes diams? Ah oui, c'est vrai que je m'étais refait un futal. Ouais. Hop, toujours notre mec, mon magnifique skin en toile. Et... ouais, allez, on va quand même tout autour enchanter. Ah ouais, ça a déjà 17 niveaux, rien pour ça. Ouais, mais en soi, solidité 2, apnée, celui-là, on va carrément le remplacer en fait. Vous savez quoi? Ouais, on va carrément le remplacer. Celui-là, on va le jeter. Ensuite, on a les deux plastrons de protection 1. Les deux plastrons. 8 dans ce sens-là et dans l'autre sens. 6. Hop. Le premier. Ensuite, on a le pantalon. 4. Pas mal. Et les bottes. Protection 1, je te remercie. Ouais, allez, hop. Ok, donc on a le casque protection 1, le plastron et les jambes protection 2, et on a les bottes protection 1 et Feather Falling. Savez que j'avais un futal aussi qui traînait là-dedans. Là. Un pantalon protection contre les explosions pour éviter de se faire exploser les burnes. Voilà, c'est fait, ça fallait que je le sorte. Ça c'est fait, c'est tout. Merci, merci pour vos applaudissements. Derrière votre écran. Vous venez d'applaudir, désolé, mais de avoir l'air con. Enfin bref, hein. On y arrive, allez. Bon écoutez, je dis qu'on s'arrêtait là, parce que je commence en plus à digresser. Donc, hop, on va se nourrir juste rapidement. Et puis, bah, sur ce, ben, je vous dis, ben, à une prochaine fois. On va peut-être aller récupérer les melons. Peu de canne à sucre également. On va remettre quand même la redstone, même si on va en prendre la prochaine fois. La prochaine fois, on va se la faire cette ferme à zombie.
de quoi me refaire des blocs. Voilà, ça permet d'économiser un peu de place. 64, eh, pile poil 64 blocs de redstone. Donc la redstone, on est safe, hein. Enfin, on est à l'abri du besoin. Pareil pour le charbon, on va être pas mal à l'abri. Voilà. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Ok, donc eh ben, nous nous retrouvons sur Jungle Hardcore. Pour moi, donc pour moi, on se retrouve le lendemain, un vendredi en fin de semaine. Je suis à la fois fatigué, mais à la fois un petit peu énervé parce qu'il s'est passé un petit peu quelque chose. Voilà, pas grand chose d'important, mais quelque chose quand même, voilà, qui m'a pris un peu le chou IRL. Donc je suis motivé. Motivé pourquoi? Motivé pour aller casser du Wither squelette pour deux raisons. La première raison, c'est parce que j'en ai ras-le-bol de miner à l'ancienne. Donc je vais aller me chercher de quoi me faire un beacon. Que je regarde, ouais, j'ai ce qu'il faut. Donc direction voilà, vous avez compris, le donjon du Nether. J'ai tout ce qu'il faut en flotte, ouais, j'ai mes potions de résistance au feu, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai de quoi me refaire une épée, pas enchantée, mais ça fait rien. J'ai tout ce qu'il faut quand même pour survivre un minimum dans le Nether. Donc et ben, on y va et puis c'est tout. Donc il me semble que c'est en moins 300... quelques, mais c'est ça, c'est par là. Il me semble que c'est par là, j'ai un doute, mais il me semble que c'est par là. Non, c'est pas par là. Je crois que je suis en train de me paumer. Attendez, je vais encore aller rechercher ce qu'il me faut. Pourcentage AppData. Minecraft. Screenshot. Et je commence à y avoir des screenshots là-dedans. Et c'est celui-là. Et c'est en moins 300. Ah oui, d'accord. Bon, ouais. En fait, je suis pas du tout. C'est pas par là. C'est de l'autre côté. Je sais pas par où j'allais là. Mais... ok, c'est pas du tout par là en fait. C'est par là et par là. Donc en fait j'ai pris la mauvaise direction. Donc en X je me situe bien, par contre en Z pas du tout. C'est à 200 blocs en Z. Mercredi. Oh, c'est pas possible.
J'avais prévu de quoi me faire des pioches parce que je n'ai pas du tout de pioche en fait. Je pensais que j'avais ce qu'il fallait, en fait non. J'ai pas. J'ai pris de quoi me faire des pioches sans vérifier que j'en avais déjà. Donc évidemment. Allez, trois pioches. Et de quoi s'en faire une de secours au cas où. Et ça, tu viens avec moi. Bon. Alors, c'est par là. C'est par là, je me suis dirigé dans le mauvais sens. Ça serait plutôt par là. Ok, ouais. Non, c'était pas par là. On va pas cracher sur un peu d'XP tant qu'on y est. Ouais, allez. Bon, c'est encore beaucoup de minage, hein, je suis désolé, mais... Je fais des galeries de partout et puis... jamais arrivé au bon endroit. Je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai entendu, mais c'est pas dans le jeu, c'est IRL. Ce bruit était totalement indépendant de ma volonté, je tiens à le signaler. Bon, et ben, on est reparti. Donc l'objectif, hein, avoir trois têtes de squelettonne. J'ai de quoi me refaire un petit peu de... Et de toute façon, là-bas, j'aurai de toute façon le désert, hein, évidemment, le portail vers le désert, où je pourrais me refaire du minage opti. Le seau d'eau ne sert à rien ici. D'accord. Première pioche. Bah, j'ai fait que deux pioches. Ah oui, j'ai fait que deux pioches, oui. Non, attendez, ça va pas être vivable. Là, je sais pas pourquoi je suis en train de refaire un... court coco. Alors que, de toute façon, logiquement, j'ai... Oh, allez. Mais court! Cours, feignasse. Cours pour ta vie, Charlie. Allez. Prendre 100 plombes ce truc. Allez. Bon. C'est par là. Allez. Ok, logiquement c'est en haut de ce truc là. C'est ça.
C'est là-haut. Et je sais plus comment on y monte. Mais on va se faire un passage, voilà. Un petit peu à la YOLO. Pas tant que ça, là, YOLO, s'il vous plaît. Bon. Allez, c'est parti. Objectif 3 têtes. Je n'ai que deux épées. De quoi m'en faire d'autres. Mais ce n'est pas grave. Allez. On va quand même repérer un minimum. Torche à droite, surtout. Bon, ça va, hein. Je peux quand même les espacer vu qu'ici ça n'a pas d'importance. Ok. Ici c'est la sortie. On va tourner à droite. On va toujours tourner à droite. Dans un premier temps. C'est le secret pour sortir d'un labyrinthe. Au cas où vous ne le sauriez pas. Quand vous êtes dans un labyrinthe, vous tournez toujours à droite. Ok, ici, est-ce que ça se termine réellement? Non, ça se termine pas réellement. Si, ça se termine réellement. Allez, hop. Une torche ici, on sait qu'on vient de par là. Par là, c'est de là d'où on vient. Donc là, à gauche. Tout droit, c'est de la lave, c'est pas intéressant. On va partir là. À droite, y a rien. Monte et par là il n'y a rien. Ok, donc ici inintéressant ou presque. Ok, ici ça remonte vers quoi ça? Si je trouve d'autres spawners à blé, je les casserai. Je n'ai besoin que d'un seul spawner qui est très bien placé en plus. Ça vaut pas le coup de risquer quoi que ce soit. Ok, donc ici, hop. Plus de torches. Blaze là-bas. Les blazes m'empêchent d'avancer. Eh ben, ce n'est pas un souci. Et les blazes spawnent naturellement ou faut obligatoirement un spawner? J'ai un doute. S'il y a un spawner dans le secteur, en tout cas, je le vois pas. Allez, on continue. Donc, ouais, j'ai plus de... Mais bon, on va bien finir par s'en sortir quand même. Oula, j'ai encore des frises. Pourtant, mon headbeam n'est pas lancé. Ça continue par ici. Ça s'arrête. Très étrange. Très, très étrange. La génération dans le Nether. C'est de là d'où je viens.
C'est tout? Rien de plus dans cette forteresse, tu te fous de moi? Bon, et ben on va descendre à l'étage inférieur. Bah non, à l'étage supérieur, en plus y'a rien. Par là, ça a pas l'air de plus continuer que ça. D'accord, c'est une forteresse qui est complètement emmurée dans la montagne. C'est bizarre. C'est même très très bizarre. Ouais, de toute façon, j'ai la potion de résistance au feu. Qui sert de la lave comme d'un ascenseur, quoi. Normal. Par contre, il brûle encore pendant 1000 ans, le mec, quoi. Voilà, au moins ici on est peinard. Si jamais on a besoin de revenir ici, potion de résistance en feu, 4 minutes. Ouais, ok. Ça fait largement le temps. Non mais ça peut pas être que ça. La forteresse ne peut pas s'arrêter là comme ça. Bon, intersection. Normalement c'est aux intersections que spawnent les Wither squelettes. Mais sauf que ce donjon est trop petit. Il est vraiment trop petit. Pour un Wither squelette. J'en avais eu deux de Wither squelette ici. Mais. Oula. Laissez tout. Non, c'est très très bizarre. Bon. Ah oui, mais non, il part de l'autre côté également. J'avais pas pensé à ça, mais oui, il part également ici. J'ai bouché ici, mais voilà. Ouais, alors toi, t'es gentil, mais tu te casses. Là, il y a un... Ok, ouais. Je vais profiter, tant que j'ai encore la potion de résistance au feu, je l'ai cassé. Eh oui, on se souvient tous d'ici. C'était au début, ça. D'ailleurs, il a toujours pas despawné lui, hein, depuis l'époque. Ok. Visiblement, là-bas, ça a l'air de pas mal s'éclater aussi. Vous pouvez rien faire, les mecs. Vous spawnez du... C'est pas du spawn naturel, ça. Ouh, ouais, non, oui, ça s'étend. Alors... Ouais, ici je me souviens. On va back un petit peu. Magma Queen, je prends. Sagouin. Ok, plus d'épée. J'ai toujours ma seconde épée. Mais... Ok, c'est le Magma Cream qui a tout pris pour moi. Ok, on va juste rester un petit peu ici, que je dise pas de bêtises. Donc on vient de là-bas. De là-bas, ici ça monte, on va voir ce qu'il y a. Normalement, voilà, c'est juste une tour d'observation. Il y a un truc à blaze ici. Là-bas, il y a quatre intersections qui partent dans le vide.
Bref, il n'y a pas grand chose. Non, pas du tout grand chose. Est-ce que par là ça continue? Ça m'en a tout l'air.